L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans, tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. On adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame des est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Simplement, le fait de se promener en ce lieu permet de trouver une paix. La grâce de ce lieu est une grâce de paix, un cadeau de paix. Reste une notoriété qui fait qu'on se marie beaucoup sous les yeux de la Vierge. 17 mariages cet été à Notre-Dame-des.